Je suis très heureux d'avoir fait ramener les 3 points au pays. Contre le Congo, en plus, on a fait un match là-bas assez difficile à cause de l'arbitrage. On a eu à cœur de montrer à tout le peuple malgache qu'on joue toujours à fond tous nos matchs. Et aussi très fier de ma première victoire avec la sélection, avec mon premier match aussi en tant que titulaire. Et ça me fait très 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 plaisir à moi et pour vous surtout qui attendez cette victoire depuis très 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 longtemps. Bah, j'étais plutôt à l'aise, j'ai essayé de me mettre dans le bain parce que c'est vrai que la responsabilité des titulaires c'est lourd à porter sur les épaules, surtout à mon âge. J'ai essayé de faire le maximum pour pouvoir donner au peuple ce qu'il voulait, la victoire, pas prendre de but. On n'a pas pris de but, on en a mis un. Fin, victoire. Merci. C'est un jeune gardien et on avait dit des choses à la mi-temps et il n'a pas écouté ce qu'on a dit. Sauf qu'il prenait énormément de risques à donner ce ballon à 25 mètres de notre but avec beaucoup de pressing de la part de la RDC. C'est pour ça que c'était important de lui dire, fais attention, il a fait son match et on a gagné le match. Donc voilà, aujourd'hui on fera des bilans à chaque fois qu'il y aura des prestations. Il a encore beaucoup à travailler, des dégagements, être un peu plus serein. Il a aussi besoin de jouer en club parce que pour l'instant il ne joue pas beaucoup en club. Donc à un moment donné ça peut être un frein aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver un équilibre. Moi j'appellerai les coachs au Paris Saint-Germain, mais c'est un équilibre à avoir.